L'Ophage donne la possibilité à des jeunes de France de participer à l'Euro 2024 en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Je ne doute pas que ça va être génial. À partir du moment où on aime le sport, c'est forcément quelque chose d'être au cœur de l'événement, derrière les coulisses, passionné par la relation franco-allemande et par le football. J'ai voulu vivre l'expérience de l'Euro 2024 au cœur, à la fois en tant que bénévole, mais aussi autour des stades. Et j'aurai l'occasion donc d'aller à Berlin. Donc cette année, moi, je pars pour Munich. Faire des programmes avec l'Ophage, ça permet de faire des super rencontres. Ça permet aussi de, voilà, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir sa culture et de profiter des avantages des deux pays. Au total, il y a 7 villes qui vont participer à l'Euro 2024. Moi, je vais être déployée dans la ville de Francfort et je suis en tant que volontaire pour tout ce qui va être l'environnement. Mais il y a plein de domaines différents. Il y a des volontaires qui vont être pour tout ce qui va être les cérémonies d'accueil, des volontaires pour les médias, des volontaires pour la fan zone, le contrôle des accréditations. Dans toute l'Allemagne, ça va être la grande fête du football. C'est toujours quelque chose, à la fois humainement et sportivement, dont on a après un super souvenir et qui peut que bien se passer. Il s'agit de la 6e édition du programme de volontaires franco-allemands en coopération avec les deux fédérations de football, à savoir la FFF, la Fédération française de football, et la DFB, la Fédération allemande de football. Nous, à l'Ophage, on soutient ce genre de programme parce que la plus-value pour les jeunes est très grande, parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent après une entrée professionnelle dans une fédération ou à l'Ophage ou à un autre métier franco-allemand. Merci l'Ophage.